Ça va. Ça va? Ça va, c'est pas un truc de ouf, il est vivant. Pompier, dis-lui, ça va. Il a quand même le nez cassé, hein. Ah, monsieur, quand je souffle par le nez, ça siffle. C'est super chelou. Ah, je peux même faire une mélodie. Ah, ça fait mal aussi. C'est du sport. Dans tous les sports, il y a des blessures. On se déplace, on va de l'avant. Oh putain, le tac. Vous pouvez pas faire du sport normal de temps en temps, comme tout le monde? Vous voulez quoi? Que je fasse du ping-pong, comme dans tous les collèges, c'est ça? Ouais. Une activité de merde, mais on va se faire chier. Mais arrêtez avec ces gros mots, Redouane. C'est pas possible, on en a à l'école ici. Ça va, c'est bon. J'ai compris. On va faire du ping-pong. Mm-hmm. Tac, tac, tac. Ping-pong. Sport d'enculé, ouais. Oh, t'es arrivé en retard à cause de la grève. Ah oui, il y avait la grève. C'était une grève Air France. Et t'habites au bout de la rue. Non, j'avoue, celle-là, j'ai un peu abusé. On se calme, ça suffit. On te calme, ça suffit, ma femme. Ok, toi, tu prends tes clics et tes claques et tu sors. Vous êtes en troisième, c'est une année très importante pour vous. Mais pour ça, il y a quelques règles à respecter. Il y a quelques règles à respecter. Tu leur donnes aucune limite, tu crois que tu leur rends service? On les gère tous les élèves, d'accord, on n'est pas là pour faire un concours. Alors attends, quand un élève se fout ouvertement de ta gueule, qu'il dit que physiquement tu ressembles au fils de Trump croisé avec Van Gogh. Enfin, pardon. Non, et pour moi c'est l'irrespect. Excuse-moi, franchement, sur la vie de ma mère, tu as la même tête que Van Gogh. Tout à fait d'accord. Tu le sais, t'as la tête à Van Gogh. La tête de Van Gogh. De Van Gogh. Excusez-le, c'est un prof de maths. Toi, t'es un prof de PS, tu pèses plus de 100 kilos, ça va? Ah, bah, j'ai de la marche. Bravo. Bien, un partout. Ouais, allez, ciao. S'il te plaît, Thierry. La vie de ma mère, la même tête que Van Gogh, c'est un truc de fou, c'est le même. Bah, écoutez-moi, madame. Ce chef-d'œuvre. Hein? Bonjour, madame. Je vous amène Karl parce qu'il y avait un problème. Déjà, c'est quoi? Je suis tranquille à ma place, j'écoute le cours normalement. Maintenant, l'autre là, je sais pas comment il s'appelle, il vient, il vole ma gomme. Après, moi, logiquement, quand il me voit un truc, moi, je pense aux quatre couleurs. Mais toi, le prof, quoi? Il me regarde et commence à me dire: ouais, dans tous les cas, tu fais tout le temps n'importe quoi. Après, moi, je dis: je l'ai rien fait, m'a volé ma gomme. Après, le matin, il commence à me dire: ouais, dans tous les cas, tu fais jamais rien, toi, tu fais jamais de bêtises, t'es élève modèle. Après, moi, je lui dis: c'est pas normal, il me crie dessus parce que dans l'histoire, c'est moi la victime, c'est pas l'autre, là. Après, moi, je lui dis: tout le temps, oh, ça m'énerve. Juste pour une histoire de gomme, j'ai rien fait, il me crie dessus. Après, il me dit: c'est pas normal, les trucs comme ça, c'est pas normal. Moi, j'en ai marre, moi. Poule. Ouais. Comment vous regardez comme ça? T'as fini? Oui. T'es sûr? Oui. Alors, sors, s'il te plaît, on en revient. On s'occupe de toi tout à l'heure, d'accord? Ok. Oh la vache. S'il vous plaît, on s'écoute un peu! J'en profite pour souhaiter la bienvenue à notre nouvelle CPE, mademoiselle Samia Zibra. Sauve-toi, jeune CPE, tant qu'il en est encore temps. Cours pas dans les couloirs. Cours pas, madame, je marche vite. Vous êtes en troisième, c'est une année très importante pour vous. Monsieur, en fait, ça tec la nouvelle coupe, hein. On dirait un vrai daron maintenant. Juste sur le daron, calme-toi un peu, je te rappelle quand même que t'as 19 ans, que t'as redoublé plus de 7 fois, d'accord? Que t'as ton fils qui est en 6e juste à côté. Monsieur prof, vous moquez, c'est pas bien, vous avez pas le droit. Sinon, ça doit te changer du roussillon. C'est toi qui as choisi de venir ici, en fait? Ouais, ouais, toujours eu envie de travailler en ZEP. Alors, madame. Salut, Yannis. Vas-y, Moussa. Ah, j'aime bien ce petit. Hey, monsieur, déjà, les maths, c'était compliqué quand il y avait des chiffres. Maintenant, vous mettez des lettres. C'est du français ou des maths, monsieur? C'est des mathématiques. C'est des clés parmi toutes les clés qu'on essaiera de vous donner pour que vous puissiez choisir votre avenir. Sérieusement, dans ces cas, je voyais des comptables ou des banquiers. Déjà qu'on est dans une ville de Kaira, dans un quartier de Kaira. Et vous, votre idée, c'est de regrouper tous ces fous ensemble. C'est ça votre projet pour nous? Yannis, tu cherches au quoi là? Tu veux te faire exclure direct dès le début de l'année, c'est ça? Mais je te préviens, moi je vais pas te lâcher. Là, t'es sur une mauvaise pente et c'est trop dommage parce que moi je sais que tu vaux mieux que ça. Et si je valais pas mieux que ça? Si on signe à Saint-Denis, c'est pas complètement comme on signe ailleurs.